Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 19 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une jolie journée hier. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Je mérite de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, j'ai pigé le 6 d'eau. Alors, la série d'eau, la suite d'eau, eh bien, elle est liée aux émotions et à l'intuition. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Embrasser son enfant intérieur. Le retour de personnes ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé. Vous êtes peut-être dans une période où vous ressassez, où vous vous remémorez, eh bien, votre enfance. Et c'est peut-être pour ça que le passé occupe vos pensées aujourd'hui. Il peut s'agir d'anciennes relations ou même des anciennes expériences ou encore de souvenirs qui remontent à votre enfance. Eh bien, cette carte, elle se concentre souvent sur les enfants et les souvenirs de jeunesse, n'est-ce pas ? Serait-il temps, peut-être, pour certains d'entre vous, de revisiter un rêve d'enfance ? Pourquoi pas ? Votre vie d'adulte, se serait-elle trop éloignée de votre enfant intérieur? Et peut-être que vous avez eu un problème qui est très ancien et qui serait resté irrésolu, ce problème-là, et que vous y pensez et que ça préoccupe vos pensées, que ça occupe vos pensées. Et votre enfant intérieur, que ça soit votre petit garçon, votre petite fille intérieure, est-ce que vous n'êtes pas trop sévère avec elle ou avec lui? Vous savez, parfois il y a des flashs comme ça du passé qui signalent des expériences à venir. Eh bien, cette carte peut donc également indiquer que des personnes du passé vont peut-être bientôt revenir dans votre vie. Surtout, essayez de voir le passé tel qu'il était vraiment, n'est-ce pas ? Il ne faut pas l'édulcorer. Il ne faut pas le dramatiser non plus, hein ? Examinez votre histoire de façon objective, de façon juste et d'une façon équilibrée. Voilà ce que cette carte est venue vous dire. Ce sont les énergies de ce mercredi. Alors cette carte, elle peut révéler aussi que vous allez faire un héritage ou que vous allez voir avoir un cadeau, oui, alors il y a vraiment des retrouvailles avec des personnes de votre passé, qu'il y a des années que vous n'avez plus vues. Il y a une notion de retrouvailles. Et on voit hein, avec ces deux enfants, l'ange derrière,
Voilà, il va peut-être aussi avoir une renaissance de vieilles amitiés ou même de vieilles histoires d'amour. Et ce sont des expériences qui vont remonter les souvenirs. Vous languissez peut-être du passé. Vous languissez peut-être de vieilles amitiés ou de vieilles histoires d'amour. Alors, on dit le passé, c'est le passé, mais il est quand même important de revenir sur son passé avec l'équilibre, bien équilibré, n'est-ce pas? Le passé est derrière nous, mais c'est quand même quelque chose que nous avons vécu, donc on ne peut pas le bannir. Alors, l'archange Zadkiel, eh bien, ce bel archange pourra vous aider à faire remonter des souvenirs clairs et précis. Demandez l'aide à Zadkiel. Il ne demande que ça, vous aider. Je termine par le petit oracle des anges gardiens. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau, tu es belle, telle que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière, n'est-ce pas? Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, eh bien, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Wow, l'acceptation, accepter ce que l'on est. Je vous souhaite une excellente journée dans la bonne humeur, le rire, l'amour inconditionnel. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.